Information à la une au Mali, l'armée inflige de lourdes pertes aux terroristes dans plusieurs localités du pays. Dans sa mission de restauration de la souveraineté de l'État sur l'ensemble du territoire national, les forces armées maliennes ont repoussé successivement des attaques terroristes contre 4 postes dans la localité de la Bezanga, région de Gao, la localité de Kossi, région de Tombouctou, celle de Tessalit, région de Kidal et Amenaka. La direction de l'information et des relations publiques des armées l'a annoncé ce dimanche 3 décembre, tout en soulignant que la réplique foudroyante des forces nationales a permis de neutraliser plusieurs dizaines de terroristes et d'en interpeller une vingtaine. Aussi, de récupérer de nombreux matériels de guerre et d'équipements roulants appartenant aux groupes radicaux violents. Ainsi, à la Bezanga, les opérations aéroterrestres ont permis de désorganiser les attaquants tout en leur infligeant de lourdes pertes dans leur fuite, indique le document. Avant de préciser qu'à Gossi et Tessalit, les groupes terroristes ont procédé à des tirs de harcèlement et des tirs indirects sur les postes FAMA. En ce qui concerne le poste militaire de Menaka, l'armée, malgré une concentration importante de combattants terroristes, décidée à en découdre avec nos forces, les FAMA leur ont infligé une sanglante défaite avec la neutralisation de plusieurs dizaines de terroristes et l'interpellation d'une vingtaine de mises en place. À la disposition de la prévôté pour des enquêtes, la source sécuritaire ajoute que plusieurs véhicules, motos et armes y ont été récupérés par nos militaires. Le Haut Commandement de la Défense nationale rassure les populations que les FAMA sont déterminés à sécuriser l'ensemble du territoire et favorisent la libre circulation des personnes et leurs biens. Autre information, la une toujours au Mali, les forces armées repoussent une série d'attaques terroristes. Les FAMA ont triomphé face à une série d'attaques terroristes déclarant avoir repoussé avec succès les assauts dans 4 localités du nord du pays, dont la ville stratégique de Menaka. Cette victoire marque un coup sévère infligé aux djihadistes de l'État islamique, démontrant la détermination et l'efficacité des FAMA dans la protection du territoire. Nous y reviendrons, messieurs, dames, avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Restons concentrés, restons connectés, on est ensemble.